Qu'est-ce que c'est? Big up à toutes mes sœurs. Big up à toutes celles qui se sentent seules. La vie est courte, tu le sais. Allez, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ouvre le vlog un peu tardivement. Je vais aller récupérer les filles d'ici 3-4 minutes. Enfin, 3-4 minutes, je pars. Cet après-midi, j'ai fait piscine. Voilà, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis posée, j'ai fait piscine. Et ce matin, j'ai fait toute la paperasse. Il y avait pas mal de choses à faire. Encore, il m'en reste à faire, mais il manque des documents. Bref, voilà, j'ai fait un petit peu la paperasse, style cantine, rendez-vous. J'ai regardé un peu le planning de juillet. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé aussi à faire les menus pour la semaine prochaine, du moins pour moi. Maintenant, il faut que je cale tout le reste de la famille. Et j'ai reçu le colis aussi pour Millie. Je vous ferai voir tout à l'heure. Mais là, je voulais vous faire voir mon colis Zara avant que les filles, elles arrivent, parce qu'il y a des choses qu'elles vont adorer. Je vous filmerai leur réaction, enfin au moins à Léonie, parce que je pense qu'elle va être hyper contente. J'ai ouvert déjà, hein, j'ai ouvert et je voulais essayer avant que les filles arrivent. Je vous montre donc du coup tout ça. Donc il y a pour Léonie, il y a pour Maeve, j'ai un cadeau aussi, et voilà, et pour moi. Mais pour moi, ça va pas. Enfin, il y a un truc sur trois qui va, je vais vous faire voir. Du coup, pour Léonie, alors j'ai principalement pris que des choses dont j'ai besoin. Léonie, elle avait besoin un peu de t-shirt. Donc, je lui ai pris. D'ailleurs, j'ai fait une commande aussi à tape à l'œil. J'ai profité des ventes privées, je vais vous faire voir. J'ai pris ce t-shirt-là. Elle adore. Et quand je vous dis qu'elle adore, c'est qu'elle adore la série Mercredi. Vous avez vu d'ailleurs pour son anniversaire, je vous remettrai juste ici le thème de Mercredi que j'avais fait du coup pour son anniversaire. Donc, je lui ai pris ça. Avec un petit short, moi j'aime bien à chaque fois que je prends un haut, je prends un bas avec, hein. J'aime bien avoir des ensembles, comme ceci, un peu gris chiné, voilà, parfait pour chiller et tout, je pense qu'elle va adorer. Pour Maeve, je lui ai pris un petit legging court comme ceci, et également en noir, mais je dois le recevoir là, je l'ai pris en noir, alors c'est un peu côtelé comme ça, court, j'ai pas payé ça cher, hein. Je vais vous dire les prix, 4,95€ le petit legging, le short, j'en ai eu pour un peu plus cher, 8,95€. Voilà pour Léonie. Et le t-shirt, 10,95€. J'ai vu qu'il faisait plein de sweats, plein de trucs comme ça. Mais là, elle n'en a pas besoin. Je me réserve pour la rentrée scolaire pour la rééquiper. Donc, pour aller avec ça, comme d'habitude, moi j'achète toujours un petit truc pour aller avec. Je l'avais mis. Alors, j'ai un panier sur Zara. Enfin, une wishlist de psychopathe. Moi j'adore Zara. Les collections été plus qu'hiver. Je suis très Zara déjà en temps normal, mais là. Voilà, mais pas donné, il y a certaines choses. Mais il y a des choses, franchement, c'est limite à un ou deux différences avec Kiabi. Et on va dire que c'est Zara, c'est un peu au même tarot que tape à l'œil. Il y a des trucs qui se touchent et il y en a d'autres non. Mais j'ai adoré ce t-shirt un peu blues, amp. Voilà. Et d'ailleurs, je l'ai vu sur aussi la vidéo de Bérangère, pour ça ça m'a fait rire quand je l'ai vu. Moi, ça fait un moment qu'il est aussi dans mon panier. Donc, il coûte pas cher. Il est à 5,95€ de t-shirt. Donc, ça, c'est pour Maeve. Et vous voyez, avec le petit legging côtelé comme ça, ça sera nickel. J'ai pris cette combinaison. Voilà, cette combinaison que je trouve juste magnifique. Elle est brodée comme ceci, cintrée au niveau des tétons. Et elle est un peu ample au niveau du bout. Je la trouve juste, mais juste sublime. Voilà, il y a un élastique derrière et elle était à 25,95€ et c'est pas du tout pour Maeve, c'est pour Inès. C'était l'anniversaire à Inès et du coup on devrait le fêter dans pas longtemps et je voulais lui prendre une petite tenue et du coup voilà, j'ai trop craqué quand je l'ai vue. Bon, 25,95€, j'avoue que c'est pas trop donné pour un bout de tissu, mais je l'ai trouvé juste magnifique, donc je lui ai pris ça. Et pour Maeve, je voulais lui trouver un petit pantalon pour traîner aussi. Elle en a deux autres comme ça, ça fera l'été. C'est un truc côtelé aussi, un peu comme ça quand il fait froid les soirs ou autre, quand on va quelque part et qu'il fait pas spécialement beau pour l'été. Et il y a des espèces de petits flamants roses comme ça, là, non? Ouais, j'en sais rien. Bon, bref, j'ai bien kiffé. Et ensuite, pour moi, il est quelle heure et après j'y vais. Je voulais trouver en fait un haut de maillot de bain qui va avec le bas de maillot de bain que j'ai acheté à Calzedonia. Parce que le haut,
que j'ai acheté, enfin l'ensemble que j'ai acheté à Calzedonia en vacances, pareil, je vous mets le vlog en suggestion. Le haut, il me va un chouïa petit, mais vu que je suis en perte de poids, je voulais pas prendre un haut trop grand ou qui me va tout de suite. Par contre, le bas, c'est un M, il est ficelé, je peux le régler de ouf, donc voilà, et je l'aime trop. Et je voulais trouver un haut qui va avec, parce que j'ai que ce maillot de bain noir là, qui vient de Kiabi, et du coup, je voulais absolument trouver un haut qui va avec. Et j'ai vu ce maillot de bain là, qui est croisé dans le dos, à un violet classique, voilà. Alors, il est hyper échancré là. Vous voyez ou pas? Et ça fait, mais magnifique. Franchement, il est vraiment très très beau. Et par contre, il a 19,95 le haut. J'ai trouvé que c'était quand même abusé, mais je me suis dit, j'en ai pris deux, vous allez voir, tu renverras celui que tu veux pas. Donc je vais le renvoyer tout simplement parce qu'il est trop petit. Voilà, il me cache pas assez les têtes, donc non. Par contre, j'ai adoré un petit peu cette encolure. Quand vous n'avez pas beaucoup de poitrine comme moi, ça fait très joli. Donc je vais le renvoyer, tant pis. Et j'ai craqué du coup pour ce haut-là et je vais le garder derrière, faites voir. Parce que du coup, j'ai pas vu. Mais non, ça va pas trop avec, mais j'aime beaucoup. Je voulais un haut bustier comme ça. Il est hyper original. En fait, ça fait comme ça quand même. Je l'essayerai, le haut, et je vous ferai voir au moins le haut. Le bas, je vous ferai pas voir. Je me sens pas capable de me montrer en maillot. Mais voilà, c'est un taille M. Il est à 22,95€. Mais alors, Vincent, quand j'ai essayé au début, il m'a dit « Ouais, ça fait bizarre. On n'a pas l'habitude de mettre de maillot de bain comme ça. » Mais alors, je l'ai kiffé. Mais tellement, et il me fait une petite poitrine assez sympa, donc voilà, ça ira très bien. Parce que moi j'aime bien, je déteste les marques en fait. Quand, voilà, je n'aime pas les marques, ça me saoule. Donc quand il y a du monde ou quand je dois bouger, il me faut des bretelles. Mais sinon, voilà, moi je vous le dis, hein, cet été, faut pas être trop vers ma piscine parce qu'il y a des tétons qui se baladent apparemment. Hein. Enfin, j'enlève pas, mais en fait, je trouve pas ça joli quand vous mettez des vêtements et que vous avez des grosses marques en fait, je suis pas fan. Bref, et du coup, je voulais tester quand même le bas en taillotte et définitivement non, ce n'est pas fait pour moi, les maillots de bain en taillotte. Il est à 19,95€ de bas. Déjà, ça faisait 40 balles le maillot, je trouvais ça super cher, donc je savais que j'allais renvoyer, hein. J'allais pas tout garder. Mais du coup, ouais, taillotte, avec Vincent, je l'ai essayé hier, il me dit. Ça te grossit encore plus. Il me dit, t'as un tout petit cul. Il me dit, honnêtement, autant mettre un petit maillot de bain. Oui, t'as du ventre. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Il me dit, mais franchement, ça te grossit encore plus. Autant mettre autre chose que ça. Donc bref, voilà pour mes petits achats. Je vais garder ça là. Et je vais aller chercher les filles. Et je vais leur faire la surprise. Et je filmerai la réaction de Léonie. Parce que je pense que ça vaut des poings. Alors, vous êtes prêtes? Oui. Alors, j'ai fait une commande sur Zara. Ouais, du coup, j'ai acheté des petits vêtements. On commence par Léonie. Ouais. Je t'ai acheté ce short. Ah, wow. Avec des petites poches, wow, comme ça. T'aimes bien? Oui. Voilà. Et pour aller avec, t'es prête? Oui. Regarde ce que j'ai trouvé. T'es contente? Hein? Ah bah alors voilà. T'es toute nue. T'es contente? Hein? T'es contente? Ah, Bibou, Bibou, je lui ai trouvé. Ce beau t-shirt. Il est beau. Essaye-le pas. Enfin, si, tu peux essayer, mais. Et ça, Boubou, regarde. Un t-shirt comme ça. Et je t'ai pris ça aussi, Boubou. Il est beau. Voilà, ça j'ai pris ça pour Inès, pour son anniversaire. Ah ouais, c'est beau. Mais la grande ou la petite? La petite. Là, et je me suis pris, bon après le reste, faut que j'y renvoie un haut de maillot de bain comme ça. Pour qui? Pour moi. Il est beau? Ouais. Ça fait chouette? Hein? Ouais. T'aimes pas, Léonie? Mais après. Ça change quoi. Et voilà! Vous êtes contente? Allez, on goûte. Il est beau. Les enfants, je vous jure. J'ai reçu ma deuxième commande d'Amazon. J'ai commandé un espèce de griffoir pour ses griffes. Je vais vous faire voir. C'est un truc incurvé comme ça. Ça avait l'air pas mal. Attendez, Raphaël touche la litière. C'est ça, regardez. C'est pas mal. Et il peut se coucher dessus et tout. Je sais pas du tout ça m'arrive quoi. Je sais pas. Faire derrière, normalement c'est double face. On se balle quand même, hein. Mais bon. Raph, il va plus s'y aller qu'elle. Mais... Je sais pas. Après, je préfère avoir ça qu'elle fasse ses griffes sur notre canapé. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une espèce de truc dessus, c'est pour les attirer. Léonie, tu lui rends, s'il te plaît.
La joie de pas des enfants, enfants, d'en avoir plusieurs surtout. Fais des gosses, mais pas de trop. Pas mal. Je viens de rentrer de la pôle, il est trop tard. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de terre. Ce qu'il y a, c'est qu'après le cours, il fallait que je parle avec ma prof. Je vous ferai un petit débrief tout à l'heure. Il est 11h. Voilà. Donc on va manger. Copine, si tu passes par là. J'avais rien fait ce soir. Vincent, il m'a dit, j'ai envie de manger de la merde. Arrête-toi. Voilà. Écoutez, ça fait très longtemps que j'ai pas craqué sur de la MERDE. Donc écoutez, on va manger. Je sais pas si je fais mon montage ou pas, parce qu'en vrai, je suis du matin demain, quoi. Donc je me lève à 4h30, donc ça va piquer. Écoutez, je vais voir. Peut-être que vous l'aurez ce soir, mais je ne pense pas. Je pense que vous l'aurez demain au pire dans la journée, ou demain soir au pire. On fera comme ça. Comme ça, je vous filmerai peut-être un peu plus demain soir, ça vous va. Je suis désolée. Là, franchement, ce soir, bah, je ne me serais pas arrêtée après la pole. Enfin, j'aurais pas blablaté avec ma prof. J'aurais monté mon vlog comme d'habitude, mais là, c'était un peu récré. Donc écoutez, je mange, je pense que je vais prendre ma douche. Et je vais aller me coucher parce que rien que déjà, il est 11h, ça me fait très peu de sommeil si vous calculez. Donc voilà, demain, vlog promis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui, du coup nous sommes mercredi, il est tard. Hein. Il est 17h10, je m'apprête à aller faire un pouf dans la piscine. Je vous montre un peu le haut, alors je vais essayer de vous montrer sans voilà, être trop vers le bas. Mais voilà ce que ça donne. Alors, faut aimer, hein. Faut aimer l'originalité du truc. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça change. J'aime trop. Voilà, j'aime trop. Je trouve ça joli comme tout. Après, voilà, chacun son style. Après, c'est sûr que bon, c'est pas un maillot de bain où vous allez faire du volley avec. Mais pour pas avoir trop de marques et tout, j'aime trop, je trouve que ça change, bref, voilà. Je vais mettre la crème solaire parce que je sais pas si vous voyez, hein, mais c'est un peu rosé tout ça, c'est un petit peu rouge, hier j'ai pas mal rougi, en fait je me suis pris, enfin, c'est un peu traître l'histoire, parce que du coup il y avait beaucoup de nuages, et du coup on était dehors à la piscine hier après-midi, et franchement j'ai dit à Vincent, il est plus de 4h, franchement je vois pas trop l'utilité que je foute de la crème tout de suite. Et finalement, et ben j'ai chopé un petit coup de soleil, donc voilà. Voilà, je me suis pris un coup de soleil un peu connement. Donc voilà. Bref, du coup, je suis du matin pendant 5 jours là. Donc, comment vous dire, ça va pas être la folie au niveau du repos. Mais voilà, hein, voilà, c'est comme ça. Hier, du coup, je suis allée à la pole dance. Je vais vous faire un peu le débrief tout de suite, donc je vous mets la crème. J'ai du coup été à mon cours. Je vais pas vous mentir que j'ai un peu subi le cours. J'étais très stressée. Le fait que, bah voilà, forcément, on essaye de me mettre dans un autre groupe parce que j'ai pas de niveau, je me suis mis une pression de dingue. J'ai pas kiffé plus que ça faire le cours. Je vais même pas vous mentir. Parce que du coup, voilà, je me suis mis une pression de dingue. Et voilà, c'était pas ouf. J'avais plus hâte que de chose, c'est que ça se termine et de parler à la prof à la fin. Donc voilà, chose que j'ai faite. Et ça en est terminé. Ça s'est terminé en mode si je vais continuer la pole dans ce groupe-là, puisque le groupe du lundi ne me correspond pas. Ma prof me propose d'aller le mardi à 18h dans le même cours que je suis tout de suite, donc avec la même prof. C'est-à-dire avec mon groupe de tout de suite, avec la même prof que j'ai d'habitude le mardi, et de refaire la même année, voilà, avec de revoir les bases, revoir un petit peu du côté où je suis moins fort, donc moi entre autres c'est le côté gauche et tout, mais je vais pas vous cacher que ça me botte pas du tout en fait, voilà, ça me botte pas du tout, j'ai l'impression que je suis c'est cru un peu l'expression que je vais employer, mais j'ai l'impression peut-être d'être un peu une sous-merde de refaire une année complète dans le même groupe. Encore, ça serait avec elle comme prof. Je dis pas le contraire. Mais d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi l'histoire de la pole, je vous remettrai le vlog en suggestion. Mais ouais, encore, ça serait avec cette prof-là. Je dis pas, ça veut dire que mon année serait peut-être pas pareille et tout. Mais là, de me remettre
dans le même groupe avec la même prof, revoir les mêmes bases. Enfin, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de, ouais, de baisser en plus mon estime que j'ai de moi-même là tout de suite. Pour moi, c'est pas du tout le but. Donc, je vais, je pense, enlever mon inscription, hein, parce que du coup, on se laissait encore le bénéfice du doute. Mardi prochain, du coup, je vais... J'aime vraiment trop, hein. Faut aimer, hein, mais moi, j'aime bien. Mardi prochain, du coup, je vais retourner, du coup, à la pôle, le dernier cours, et puis je vais tout simplement changer de club. Voilà, je vais essayer un autre club. Je vais voir. Je ne m'avoue pas vaincue. Demain, je fais une séance d'essai dans un autre club. Dans le club de Manon, du coup, de ma meilleure copine. Et puis on verra. On verra. Peut-être de ne pas être avec la même prof et tout. Peut-être que voilà, ça me motivera encore. Parce que là, du coup, j'ai perdu une baisse de motivation, en fait. Et j'ai l'impression d'avoir fait un an pour rien. Enfin, je suis très... voilà. Hein. Donc voilà, je vais voir demain. Donc demain, je suis du matin. En sortant, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Un petit contrôle annuel, voilà, voir un petit peu où on en est, tout ça. Et après, du coup, je rentrerai parce qu'il faut que je récupère les enfants et tout. Et après, j'irai à la poêle, j'ai donc dans ce nouveau club essayer. Alors, je me mets déjà une presse de ouf parce que j'ai peur d'être nulle, voilà, comparé aux autres. Le seul truc qui me réconforte, c'est de me dire que je serai avec Manon, quoi. Ça me réconforte de ouf. Et puis voilà, elle sait comment je suis, que moi, je suis quelqu'un. Elle est un peu comme moi sur ça, donc je suis quelqu'un qui n'a pas trop confiance en moi et qui est très vite déstabilisée. Et là, en outre, c'est le cas. Donc voilà, écoutez, pour tout ça, je vais faire un plou dans la piscine, me détendre un peu. Je suis rentrée, j'ai essayé de faire une sieste, mais on est mercredi, donc avec tous les enfants, autant vous dire que la sieste était juste impossible. Donc voilà, demain après-midi. Ça veut dire que c'est pareil, sauf si je rentre vraiment pas tard, mais je vais pas pouvoir faire de sieste non plus. Je pense que ces 5 matins vont être très compliqués. Donc ce soir, objectif de me coucher vraiment pas tard du tout. Et puis voilà, de monter mon vlog et de me coucher vraiment pas tard du tout. J'aime trop, hein, j'aime vraiment trop. Voilà. Niveau sport, sinon, je suis un peu... Ouais, c'était pas en stand-by. Hein. J'en ai fait la semaine dernière. Mais là, vu que je sais que j'enligne 2 cours de pole, piano. Et par contre, vendredi, samedi, dimanche, j'aimerais bien me caler des petites séances, donc on verra bien. Je reprendrai vraiment le sport correctement, mes 4 séances, plus la semaine prochaine. Et puis voilà, il y a l'homme qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, ils m'attendent, j'arrive. On est sur le repas du soir, du coup on a fait une purée maison pour Maeve et on a fait décongeler des steaks hachés. Il y a une purée de patates douces qui est en train de se faire pour bébé Raph pour demain midi. Et moi, je suis en train de me faire revenir de l'eau. Pour me faire des brocolis et je vais me faire du saumon avec. Bon, j'ai pris ma douche, j'ai gardé le kiki là, je l'enlèverai pour aller dormir. J'ai remis ma robe noire, elle est hyper ample, donc je suis trop bien dedans, je l'ai acheté à Kiabi. Je peux vous faire voir comme ça, mais j'ai pas de soucis à voir, donc je fais attention. Et je suis pas rasée sous les bras, j'ai rendez-vous mardi prochain et j'ai commencé à faire le montage de mon vlog et j'ai vu qu'on voyait un petit peu mes poils. J'espère que vous ne serez pas choqués, c'est des poils. Voilà, moi je m'épile à la cire, donc je ne vais pas me raser pour le plaisir de vos yeux. Je suis désolée, mais voilà, des fois je lève les bras, on voit des poils. C'est comme ça. J'ai pris ma douche, j'ai remis ça là. Parce que le truc, c'est que mon pyjama, il est dans la chambre. Et vu qu'il arrache, et ben, on va pas prendre le risque de réveiller le loulou. Hein. On va manger, je finis de monter le vlog, je mets tout en ligne. Et attention, mon mec passe pas trop de... Il est en boxer. Quand même. Et puis on va aller du coup au dodo. Je vous fais voir. C'est chaud mon mec, t'aimes ton plateau. Ou pas? Si je peux rentrer maintenant. Non, ça va. J'ai eu peur. T'as eu peur ou pas? Il s'est fait un gratin dauphinois. Non. Un hachis parmentier de patates douces. Purée normale, purée patate douce. Et dessus, il s'est mis du babybel. Notre frigo crie famine. Ah non, je devais faire ça. J'ai mis du babybel parce qu'il y a plus de bruit. Faut que je valide le drive. Je vais essayer de valider le drive ce soir. S'il y a de la place à Leclerc, tant mieux, sinon je ferai un terre, tant pis. Voilà. Et moi, du coup, je vais vous faire voir également. Je me suis fait du saumon. Je vais vous faire voir. Pépite. Vous êtes prêts ou pas? Regardez.
Je vais essayer de vous le filmer pour vous tourner peut-être. Ça sera plus judicieux. Je me suis fait un pavé de saumon avec du brocoli. J'ai battu en fait des œufs avec de la crème et un petit peu de lait. J'ai tout mis au four. Et là, c'est des rondelles de patates douces que Vincent m'a fait cuire à l'air fryer. Je vous tourne pour vous faire voir. Ça donne pas trop envie. Franchement. Non, mais regardez-moi ça. Franchement, moi, ça me donne trop envie. Vous allez me dire, c'est principal, c'est moi qui le mange. Bref, miam, miam, miam. Du coup, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Demain, j'ai rendez-vous au dentiste. Vincent va prendre l'appareil photo le matin. Peut-être que vous aurez des prises encore avec mon iPhone. Il a des chantiers à les filmer. Donc, voilà. J'ai rendez-vous au dentiste. Il faut que je m'arrête à Mondial Relais. Relais colis, je crois qu'on dit, j'ai pas mal de... Enfin, j'ai pas mal, non. J'ai vendu des trucs sur Vinted, donc je suis content. Regardez en barre d'infos, il y a mon Vinted. Je suis en train de mettre plein de choses en ligne, là, en ce moment. Donc, il faut que je m'arrête de faire ça. Il faut que je m'arrête aussi à renvoyer, du coup, les articles que je prends pas sur Zara. Oh, c'est ça qui a pas. Et après, je rentre, je récupère les enfants. Et le soir, j'ai mon nouveau cours de pole dance. C'est pour ça que je veux vraiment pas me coucher tard, parce que demain, ça va être une grosse journée. Je pourrais pas faire sieste. Je serai à mon deuxième matin. Le deuxième, c'est celui qui fracasse beaucoup. Le troisième aussi. Et après, j'en ai encore deux autres à faire. Donc voilà. Je vous fais des gros gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. J'ai pas eu le temps de regarder vos commentaires là. Les derniers commentaires sur les deux dernières vidéos. Mais promis, je ziote un petit coup d'été que je peux. Merci de partager avec moi à chaque fois en commentaire, de mettre des pouces bleus et tout. Ça m'encourage. Ça met un petit like genre à mon travail. Et voilà. Je vous kiffe. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Bisous. Je peux plus rien voir, René. Et on ressort.